Cette adoration est bonne. Avec les yeux de la main. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci au chant. Tu peux te rasseoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. La présence du Seigneur est forte en ce lieu. Amen. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Amen. Il siège dans la louange de son peuple. Et il honore celui qui l'honore. Et chaque fois que son peuple s'unit pour l'élever, pour l'adorer, il répond. Amen. Et il est là. Je sens sa forte présence, ce lieu. Qui était là hier? Voilà, qui était là. Donc, qui vient d'arriver? Qui est arrivé ce matin? Ok. Bonne arrivée. Tu étais où hier? Hein? Demande à ton voisin qui n'était pas là, tu étais où? Amen. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur permet cette école de ministère pour équiper son peuple. Pour plusieurs, la louange reste quelque chose de secondaire. Mais si nous avions l'intelligence et nous regardions, l'intelligence des Écritures, que nous regardions les choses selon la pensée de Dieu, je le disais hier, tout notre parcours sur cette terre est destiné à préparer notre éternité. Cette éternité qui ne servira qu'à à louer Dieu. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire, il y a beaucoup de choses auxquelles on attache de l'importance, et c'est nécessaire d'attacher de l'importance, dans notre marche chrétienne, mais qui vont rester sur cette terre. Si vous comprenez, beaucoup de choses qui vont rester sur cette terre. Et tout à l'heure, on va expliquer cela. Mais ce qui va se poursuivre, c'est la louange. Dis avec moi la louange. Donc, quelque chose pour laquelle tu seras amené toute ton éternité à pratiquer, ou à faire, ou à exercer, je pense que ça doit t'interpeller dès maintenant sur cette terre. Parce que les anges dans les cieux, dans l'assemblée de Dieu, ne font que louer et adorer Dieu. Amen. Donc, nous ici, ça doit nous interpeller. Et sur ça, on est fondé, selon les Écritures, à dire qu'au moment où on parle, s'il y a un ministère que la terre et le ciel ont en commun, c'est bien la louange. Amen. Je veux ressortir l'importance que ça. Et pourquoi Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Généralement, quand on parle de louange, on dit non, les jeunes n'ont qu'à partir. Quand on parle de louange, on dit non, c'est l'équipe de louange. Paul et Silas sont sortis d'une situation difficile par la louange. Ils n'étaient pas dans un groupe de louange, mais ils connaissaient le secret que renfermait le fait de louer Dieu. Ce que la louange à Dieu déclenchait, non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Amen. C'est quelqu'un qui est très spirituel. La Bible dit, il connaît un homme qui, il ne sait pas si c'est son corps ou, mais qui a été ravi dans son esprit et à qui il a été donné de voir des choses extraordinaires qu'on ne peut pas dire. Donc, il a été enlevé au paradis. Il a vu des choses. Amen. Oui, la plupart de ce que Paul dit, c'est des choses qu'il a reçues directement. C'est pas quelqu'un qui a marché avec le Seigneur Jésus. Amen. Il a même persécuté les disciples de Jésus. Donc, d'où vient-il qu'il parle des choses profondes et mystérieuses? C'est parce qu'il a reçu ça directement, étant ravi aussi. Donc, quand quelqu'un comme ça vient et dans une situation difficile, il dit, louons Dieu. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Frère, faut pas t'amuser avec ça. Je voulais, depuis hier, j'essaie de vous, d'interpeller là-dessus. En général, quand on dit la louange, bon, équipe de louange, bon, en attendant que les choses se recommencent, vous pouvez chanter. Amen.
Quelle chose sérieuse. Quelle chose sérieuse. Parce que Dieu dit, siège sur la louange. Non, je ne sais pas, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est plus sérieux? Il siège dans la louange. Donc, ce qui va amener Dieu à siéger pour que les hommes puissent donc faire ce qu'il y a à faire, mais je pense que ça a toute l'importance. Parce que si Dieu n'a pas siégé, toi tu fais quoi? Si Dieu n'a pas siégé dans ta vie, tu fais quoi? Tu comptes quoi? Amen. Tu comptes? Dis à ton mari, tu comptes sur quoi? Moïse disait à Dieu, au moment où Dieu lui a dit, ce peuple-là, vraiment, je suis fatigué d'eux. Il faut partir. Je vais envoyer un ange devant toi. Moïse dit, hé, le Père, ne me laisse pas partir, à moins que toi-même, tu ne marches avec moi. Donc, si Dieu nous montre un canal par lequel lui siège, on doit accorder la priorité à cela. Amen. Et quand je dis, c'est pas d'abord la chanson. Amen. C'est pas d'abord la, c'est pas louer Dieu, c'est pas d'abord chanter, c'est pas jouer de la musique. Ça a son importance dans le ministère de la louange. Quand on parle du ministère de la louange. Donc, la louange, de façon générale, est différente du ministère de la louange, qui est confié au chant. Amen. Pour l'exercice. Mais il y a la louange à laquelle Dieu nous appelle tous. Que tu sois du goût musical, que tu sois pas du goût musical. Que tu sois né, chante, de père et de mère, eux-mêmes chantent. C'est pas ça d'abord, louer Dieu. Amen. Hier, je résume pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu que la louange mettait la gloire de Dieu en mouvement, ou que la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Amen. Et chaque fois que le peuple s'est mis ensemble pour apporter la louange à Dieu, nous avons vu les passages où Dieu lui-même, il est entré en scène. Amen. Voilà. Dieu est dévancé par la louange. Nous avons vu que Moïse, il dit, veut voir la gloire de Dieu. Dieu dit, ok, je viendrai, je te mets dans le rocher, dans la fente du rocher. Moïse se met dans la fente du rocher. Il avait dit, Dieu descendit là auprès de lui. Et puis Dieu a commencé, en bougeant, à dire, l'Éternel, l'Éternel, Dieu grand et glorieux. Dieu a commencé à se louer. Amen. C'est parce que cette louange est nécessaire à la mise en mouvement de la gloire de Dieu. Amen. Psaume 68, verset 5, il dit, il voit ta marche, ô Dieu, la marche de Dieu dans son sanctuaire. En tête vont les chantres. Amen. Donc, dans le mouvement de Dieu est précédé par la louange. Un peuple qui commence à se tourner vers la louange, ou une église locale qui commence à se tourner et à privilégier la louange, à mettre la louange à la place qu'il faut, est en train de faire place à une gloire pas possible. Quand ta vie se tourne vers la louange, tu commences à créer les conditions d'une gloire que tu n'avais pas vue par le passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu siège dans la louange. Il siège sur la louange. C'est comme... Amen. Il faut dire à ton voisin, sois quelqu'un qui loue Dieu. La deuxième chose, nous avons dit que la louange nous défocalise de l'adversité ou de l'opposition pour nous focaliser sur l'objet de cette louange qui est Dieu. Amen. Donc, pourquoi? Parce que j'ai dit un principe qui est que on donnera à celui qui a jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera le peu qu'il a. C'est un principe spirituel. Parce que quand Jésus l'a dit à deux fois. La première fois, c'était quand il parlait en parabole, et ses disciples lui ont demandé, mais pourquoi tu parles au peuple en parabole et à nous tu expliques? Il a fini par dire, on donnera à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. Amen. Et il a dit encore une autre fois, dans un contexte qui était différent. Donc, quand il donnait la parabole des serviteurs et des talents, un a reçu 5, il en a produit 10, l'autre a reçu 3, l'autre a reçu 1, etc., etc. Et il a dit, celui qui a un qu'il a enterré, faut lui arracher pour donner à ceux qui ont maximisé les talents qui étaient en eux. Car, il finit par car, on enlèvera, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance, et on ôtera le peu
à celui qui n'a pas pour qu'il reste miséreux. Donc c'est un principe spirituel qui est que on te donne ce que tu as pour que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi fais attention à ce que tu as. Ce que tu as n'est pas toujours physique. Même invisible, tu peux avoir cela. Si tu n'as que des problèmes et des soucis aux lèvres ou dans ta pensée, cette règle est vraie qu'on soit dans l'invisible ou dans le visible. Donc, même si c'est les soucis que tu ne fais que ressasser, tu deviens riche de soucis. Donc, tu possèdes, tu as des soucis. Et la règle veut que ce que tu as, on t'en donne plus pour que tu sois dans l'abondance de ce que tu as. Donc, si c'est les soucis que tu ressasses, tu es riche de soucis, tu possèdes des soucis. Donc, la règle va faire que les soucis vont s'accumuler jusqu'à ce que tu sois dans l'abondance de soucis. Mais dès lors que tu te défocalises des soucis et tu te remplis de la gloire de Dieu, face à la difficulté, tu te remplis de ce que Dieu dit, de ce qui est vrai, de ce que Dieu pense, tu seras riche de cela. C'est pas juste, ça s'applique pas juste où on dit l'argent appelle l'argent. Parce que c'est cette règle-là, c'est la dérivée, mais c'est la conséquence des règles qui dit l'argent appelle l'argent. Autrement dit, il faut avoir un peu d'argent, d'abord, pour en avoir plus. Et c'est vrai. Mais ce que les hommes, pourquoi les hommes appliquent ça? Parce qu'ils pensent que ce n'est vrai que dans le physique. Or, c'est vrai dans l'invisible. Donc, même si tu n'as pas l'argent physique, faut avoir au moins l'argent dans l'invisible. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas mystique. Ta pensée doit te voir de telle sorte que tu es déjà riche de ça. C'est un départ, c'est un point de départ. À la veuve qui disait qu'elle allait, on lui a dit, qu'est-ce que tu as? La veuve du prophète qui avait ses fils qu'on voulait prendre pour Sarepta. Qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. Dis, ok. Au moins, tu as un peu d'huile. Si tu n'avais rien, c'est ça qui est compliqué. Mais au moins, tu as un peu d'huile. Amen. Donc, il faut avoir quelque chose et il faut avoir la bonne chose. Or, les pensées de l'homme humainement se tournent vers ce qui est difficile. Les pensées de l'homme voient la tâche. Les pensées de l'homme ont tendance à grossir la difficulté et le challenge. Vous vous rappelez des espions qui ont été envoyés pour aller regarder la terre promise. Quand ils sont venus, eux disent, le pays est beau, mais il dévore ses habitants. Et il est possédé par les fils d'Anak, qui sont des géants. Et nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Les fils d'Anak, c'est pas Dieu qui les a envoyés au bien. Mais lui-même, c'est-à-dire, tellement il a grandi le problème, ils finissent eux-mêmes par se voir comme des sauterelles. À partir de là, la terre promise là, ils étaient prêts à dire, mais en un mot, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. On va plus là-bas. C'est pas la peine. Amen. Et la louange est quelque chose qui te fait sortir. Et hier, j'ai chanté un chant. J'ai dit, parce qu'il vit. Mais dans les difficultés les plus profondes, dans les challenges les plus difficiles, quand tu chantes un chant comme ça, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Mais quand tu dis quelque chose comme ça, est-ce que la situation dans laquelle tu es a une quelconque importance encore à tes yeux? Tu te focalises vers celui que tu es en train de louer, c'est lui que tu élèves, c'est lui que tu grandis, et la situation que tu traverses devient petite. Tu es alors riche, mais tu deviens moins riche. Amen. Donc, le problème dont tu étais riche devient peu, et la règle dit quoi? Le peu que tu as, on t'en l'enlève. Amen. Ou bien? C'est pas ça? Le peu que tu as, on te l'enlève. C'est pourquoi on a lu Lamentation 3, il dit, quand je pense à la misère, à l'absence et au poison, mon âme s'abat au-dedans de moi.
Mais, voilà les pensées que je vais repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. À partir de là, il a commencé à avoir la force. Pourquoi? Parce qu'il a remplacé sa douleur en louange. Tu penses que tu souffres? Tu connais la souffrance? Tu penses que tu souffres? Tu souffres trop. On va te donner ça encore beaucoup. C'est une règle. Il faut juste la comprendre. Vous savez, Dieu a établi les règles. C'est comme ça qu'il est entré dans le repos. Parce que dans la création, il a mis les règles. Dieu n'est plus revenu. Quand il a créé le manguier, il n'est plus venu créer un manguier. Il a mis dans le manguier la règle de sa survie. Elles produisent chacune selon son espèce. Il a mis la règle dedans. Non, il y a des règles qui sont là. Que nous-mêmes, on s'amuse avec. On souffre, on tourne. On vient, on prie, on jeûne. On va encore, on refait la même chose. Non. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Amen. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai dit ici un secret qui est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, peu importe la situation que tu traverses, quand on vient te dire, il ne pourra plus vivre. Quand on vient te dire ça, c'est fini pour lui. Mais la maladie, elle est incurable. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Mais si c'est ce que tu entends, tu es foutu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu auras une foi de maladie incurable. Amen. Mais quand il te dit la maladie est incurable, toi tu entends par ses maîtres ici, je suis. Parce qu'il dit ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Donc tu peux entendre des choses, mais toi ce que tu entends c'est la parole de Dieu. On dit la femme là elle est stérile. On dit, la stérile enfantera cette fois. Amen. Amen. Donc la louange te permet de dépasser et de minimiser la situation. Pour que tu sois pauvre, vous mettez que la situation soit peu et que la règle dise on enlève et que ce qui est beaucoup on ajoute. Amen. La louange. Et la troisième chose, je rappelle parce que tout le monde n'était pas là, la troisième chose, c'est que la louange par la contemplation, la louange contemplative, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, normalement, quand tu regardes un miroir, c'est toi-même que tu vois. Tu vois tes défauts, tu vois tes challenges. Ou certains regardent et ils voient leur puissance. Ça dépend de ce que tu vois. Mais Dieu dit, si tu fais l'effort en regardant, en contemplant dans le miroir, de le voir lui, donc dans ta faiblesse, de pouvoir voir Dieu, dans tes challenges, quand tu regardes le miroir, c'est toi. Toi, c'est tes challenges, toi, c'est tes défis. Donc, si en contemplant, c'est lui que tu arrives à voir. Et les gens qui viennent à l'église, chargés de fardeaux, mais ils ne se donnent pas l'occasion de se décharger pour pouvoir regarder Dieu. Il n'y a que ces fardeaux, il n'y a que ces défis, il n'y a que ces challenges. À un moment donné, Dieu te dit, il faut dépasser ça, mon fils. C'est pourquoi j'aime les temps de louange. Pourquoi? Parce que on a fait qu'élever Dieu en s'oubliant nous-mêmes. Amen. Je vais prêcher la suite tout à l'heure. Je suis juste en train d'introduire. La femme qui est venue verser le parfum sur Jésus. Les gens disent, mais le parfum est cher. Il y a trois évangiles qui ont relayé ça. L'évangile de Jean a mis l'accent sur le parfum. Et c'est lui qui précise que ça faisait 300 cycles. Il y a 300 deniers, je ne sais plus. Cycle denier. Mais en réalité, c'est le salaire d'un an. Parce que quand Jésus prenait la parabole, il dit un denier par jour. C'était le salaire à l'époque du jour. Donc, son parfum valait un salaire annuel, pratiquement. Et 300, donc ça fait à peu près, à 65 près, c'était le salaire d'une année qu'elle venait de renverser comme ça, sur Jésus. Amen. Les gens ont commencé à dire, mais on pouvait vendre. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Les pauvres là, vous les avez toujours avec vous. Les soucis de la terre là sont toujours là. C'est ce qu'il est en train de dire. La misère de la terre là, elle sera toujours là. Ton loyer, tu as payé ça toujours. Oh, souvent il y a les principes qu'on n'applique pas.
Vu quand tu vois l'enfant de Dieu, il est en galère, il prie, jeûne. Quand il marche dans la rue, il regarde un peu comme ça. Il pense que Dieu va se... Par un miracle, il va ramasser 10 000 francs. Hein? Dans Nouvelle Côte d'Ivoire. Oh, souvent, on... Alors que, il y a des trucs simples qui sont là-bas. Il faut juste connaître pour savoir marcher, pour savoir traverser. Il dit, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Il n'a pas dit, je vais t'empêcher de traverser le feu. Oui. Pourtant, il est Dieu. Il peut enlever le feu de devant de la route. Il peut enlever les eaux. Mais il dit, si tu traverses, ça ne va pas te brûler. Il dit, il va mettre les conditions qu'il faut pour que tu traverses le feu. Ça je veux dire, c'est les solutions supérieures. Donc le feu sera, il ne va pas s'attaquer au feu. C'est les hommes qui s'attaquent au feu. Quand la maison brûle, on envoie les pompiers. Ça, c'est comme ça l'homme fonctionne. Dieu dit, si ça brûle, tu vas passer. Ça ne va pas te brûler. Même s'il y a le feu, ça va. Même s'il y a les vagues, ça ne va pas te noyer. Parce qu'il déploie la solution supérieure qui te permet de passer simplement. Amen. Donc, vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est une façon de dire, il y a des challenges, des soucis qui seront toujours là. À un moment donné, il faut pouvoir oublier ça pour verser le parfum sur Jésus. Il faut pouvoir oublier ça pour adorer, pour louer Dieu, pour l'élever. Et quand tu reviens par la contemplation, il dépeint sur toi. Amen. Il dépeint sur toi. J'ai eu tellement ces témoignages de choses, des jeunes, leurs parents sont au village, eux ils sont en ville, c'était compliqué. La bouteille de gaz était finie, c'était compliqué. Il a imposé la main à la bouteille de gaz, il a allumé, ça a pris. Amen. Si tu traverses le feu, ça va te brûler. Amen. Et ce matin, nous allons aller plus loin. Donc, quand on a vu tout ça pour la louange, et ça, j'ai fait le résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Maintenant, la louange, on a parlé de ça comme ça. Mais c'est quoi au juste, finalement? Il faut comprendre cette notion. Au-delà des définitions qui sont vraies, du genre, la louange, c'est dire quelque chose digne. C'est établir quelque chose digne. On me dit que c'est digne. Digne d'admiration. Tu vois, la louange à Dieu, on a besoin de dire, c'est dire les hauts faits de Dieu. Ce que Dieu fait. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre au-delà de tout ça, parce que si la louange n'est que dire les hauts faits de Dieu, ça voudra dire que le muet pourra jamais louer Dieu. Quelqu'un qui perd l'usage de sa parole ne pourra jamais louer Dieu. Quelqu'un qui... Si ce n'est lié qu'au fait de dire, tout ce qui ne peut pas dire ne pourra pas louer Dieu. Oh, vous savez que les plantes là louent Dieu. Les oiseaux des champs louent Dieu. Le vent loue Dieu. Les vagues des mers louent Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas juste dire. Amen. Et papa Fontali disait hier, la louange c'est exprimer. Voilà, il m'a dévancé. La louange c'est une expression. La louange c'est exprimer, c'est extérioriser un sentiment profond suscité par quelqu'un qui en est digne. C'est exprimer, c'est pas dire d'abord, c'est exprimer. C'est extérioriser. Donc les gens, au moment où on fait la louange, et puis lui c'était, il dit Dieu même sait que je l'aime. Tu n'es pas en train d'exprimer, hein, mon ami. La louange, il faut exprimer. La louange doit être expressive. Vous savez, exprimer quelque chose est différent de dire quelque chose. Les experts en communication le savent. Exprimer quelque chose est différent de dire quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous expliquer. Si ce matin, j'étais devant vous, en culotte et en débardeur, quel que soit ce que j'allais dire, vous n'alliez pas comprendre ça. Si je vous disais les mêmes choses, mais étant habillé comme ça ici, quel que soit ce que j'allais dire, vous n'alliez pas comprendre ça comme ça. C'est-à-dire, mon habillement fait partie de mon expression. On appelle ça la partie non-verbale de l'expression qui compte peut-être à 60% ou 50%. Non-verbal. Je vais vous donner un autre exemple que vous allez bien comprendre. Tu as jeûné, tu as prié.
ton fiancé et toi, vous allez vous marier. Et le jour du mariage, la maman de ton futur marié, là, elle vient tout noir, avec lunettes noires. Soyez bénis, mes enfants. Est-ce que c'est son soyez bénis là, tu vas entendre? Amen. Elle dit soyez bénis, non? Mais est-ce que toi tu veux, est-ce que c'est soyez bénis, toi tu vas entendre? Pourtant, c'est soyez bénis, vraiment mes enfants, je suis content pour vous. Non, la vie n'est pas claire. Donc vous comprenez que ce qu'elle a exprimé a été caché plus dans le non-verbal. Tu vas rendre visite à quelqu'un. Il y a longtemps, j'ai vu le frère. Et lui, tu le vois. Ah, frère, ça va? Ah, vraiment, je suis content de te voir ce matin-là. Tiens. Il te dit, vraiment, je suis content de te voir ce matin. Regarde, là-bas. Comment tu sais qu'il ne va pas? Tu vas voir l'heure. Est-ce que tu n'es pas venu à midi? Est-ce qu'ils sont pas en train de préparer là-bas et que le frère, vraiment, ne s'attendait pas à toi? Tu tombes sur lui. Pourquoi? La deuxième chose qui compte dans l'expression, c'est le ton. À peu près pour 35%. Le ton. C'est-à-dire, la première chose, c'est le non-verbal. Aux États-Unis, par exemple, le président qui doit venir, selon la cravate, selon les circonstances, il choisit la cravate, la couleur de la cravate. Ça annonce quelque chose. Il doit mettre des cravates qui ont la couleur du drapeau. En général, c'est comme ça. Donc, il n'a pas beaucoup d'options. Mais selon les circonstances, un conseiller lui dit, il faut t'habiller comme ça. Et même les présidents, on leur dit comme ça. T'habiller comme ça. Ici, la manche coûte, ça ne sied pas. Parce qu'ils savent que ce que tu vas dire, ce n'est pas seulement la parole que les gens vont entendre. Mais c'est d'abord, et c'est encore plus. Comment tu es habillé? Je donne le cas inverse. On dit, on vient faire funérailles. Tout le monde est affligé, tout le monde est dans le deuil, tout le monde est consterné. C'est là, toi tu dis, ton Giorgio Armani, la veste, tout. C'est-à-dire que tu es sapé, puis tu viens t'asseoir au milieu des gens. Ils vont finir le funérail, hein. Et vraiment mes condoléances. Et on dit, ah, le gars aussi. Bon, en Afrique, en Europe, c'est autre chose. Mais je parle en Afrique. Et on dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu attendais sa mort ou bien c'est quoi? Pourquoi c'est sa mort-là qui devient ton 31? C'est vrai. Pourquoi c'est sa mort qui devient ton 31? C'est parce que tu vas leur dire tes condoléances. Mais il y a un tout que eux, ils entendent. Et ton habillement fait partie de ce qu'ils entendent. Par exemple, l'apparence, dont le non-verbal compte pour 50 ou 60%. Après, c'est le ton. Ah, vraiment, les gars, mes condoléances, hein, il est parti. Eh, vraiment, eh, Dieu. Non, on dit, mais attends, lui, là, il s'est foulé. Ou bien, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le ton. Le ton. Il compte plus que ce que tu dis. Ben, la femme, il dit ça. Ah, yo, tu as eu ton accident, là. Parti, mais les gens roulent mal. Oh. Les gens roulent mal, hein. Oh, mais attention, hein, mon frère. Si tu veux écouter ce qu'il dit, il compatit. Mais quand tu écoutes le ton, il n'est pas en train de compatir. À la limite, il est en train d'ironiser. Qu'est-ce que tu vas retenir? Son ton. Non, le ton est plus que ce que tu dis. En définitive, ce que tu dis et qu'on entend, ça compte à peu près pour 15%. Amen. Donc, finalement, exprimer, c'est un tout. Amen. Donc, quand il dit louer Dieu, c'est dire les hauts faits de Dieu. Là, on est en train de parler de 15% de ce que tu exprimes. Et tu fais de ça l'essentiel. Amen. C'est un tout. Exprimer quelque chose, c'est un tout. Amen. À partir de là, louer Dieu, c'est exprimer un sentiment profond qui dit que Dieu est digne. Parce que tu as vu Dieu, tu as été touché par Dieu, etc. Donc, tu veux exprimer, tu veux extérioriser ça. Et donc, comme l'expression, ce n'est pas juste le dire, ça veut dire tu peux exprimer ça de plusieurs façons. Je vais parler de quatre façons en général. La première façon,
On exprime Dieu musicalement. On peut exprimer Dieu. Enfin, c'est pas en ordre, hein. C'est juste quatre. Il faut commencer quelque part. Donc, on peut exprimer Dieu musicalement. Dis avec moi, musicalement. Il y a une expression musicale de la louange. Ensuite, il y a une expression, comment je peux dire ça? On peut exprimer Dieu, ce qu'on appelle la gestuelle. On peut louer Dieu par la gestuelle. On peut faire cette expression de louange par la gestuelle. C'est-à-dire, quand je vous dis, acclamons le Seigneur. Mais tu es en train de louer. Amen. Et quelqu'un a dit une fois, il dit, souvent les chrétiens viennent à l'église, ils ne peuvent plus louer parce qu'ils ont loué d'autres choses toute la semaine. Quand ils viennent, ils sont fatigués. Tu acclames. Quand tu acclames, là, tu es en train de louer. C'est de la gestuelle. Tu es en train de louer Dieu. Tes acclamations louent Dieu. Amen. Tes acclamations louent Dieu. Les gens se comprennent. Donc, les gens ont acclamé toute la semaine. Chelsea a joué contre je ne sais pas quoi. Drogba a gagné à l'époque. C'est de la louange que vous exprimez. Et quand ils viennent à l'église, ils sont fatigués. Oui, louer Dieu, c'est compliqué. Amen. Non, non, non. La louange, une expression de la louange, c'est la gestuelle. Quand on danse, on est en train de louer Dieu. Tu ne parles pas, mais tu es en train de louer Dieu. Amen. Amen. Et il y a les écrits par lesquels on loue Dieu. Amen. Les gens écrivent des poèmes. La Bible, quand vous allez regarder, il y a plein d'écrits par lesquels les gens louent Dieu. Donc, en un mot, voilà un peu la louange. C'est d'abord une expression. Et si tu n'as rien à exprimer, tu ne seras pas en train de louer Dieu. Amen. Les personnes qui sont dans l'équipe de louange. Une fois, dans un coaching, j'ai fait une expérience. J'ai mis une enceinte Bluetooth et puis j'ai mis la musique dedans. Ça a joué. Un chant de louange. Et la question que je pose après, il dit, qui loue Dieu? Est-ce que c'est le poste qui a loué Dieu? Parce que la louange est sortie du poste. C'est le poste, c'est dedans, on a entendu que Dieu est grand, Dieu est glorieux. Mais est-ce que c'est le poste qui a loué Dieu? Est-ce le poste loue Dieu? Amen. Mais c'est compliqué la question. Tu mets un chant de louange dans ton téléphone. Et ton téléphone est en train de louer Dieu. Mais c'est pas dedans le chant sort. Pourquoi lui, il loue pas Dieu pendant qu'il est en train de faire sortir le chant? Est-ce que vous savez que dans l'église locale, il peut y avoir plein de téléphones comme ça un dimanche qui sont en train de chanter. Je parle des les membres de l'équipe de louange. Où est l'image de ce téléphone qui fait la musique? Dans l'église, il peut y avoir plein de téléphones comme ça le dimanche qui sont en train de chanter. Et Dieu ne se sent pas concerné parce que vous n'êtes pas en train de le louer. Pourquoi? Parce que le téléphone, de par lui-même, n'a pas la capacité d'exprimer quelque chose. Ça sort de lui, mais c'est pas lui qui exprime. Donc, quelqu'un peut être là, gloire à Dieu, oh, amen. Mais si les conditions sont pas réunies, il dit, mais c'est comme un gros poste radio. Je viens de dire, gloire à Dieu, oh, amen. Dieu ne se sent pas concerné. Est-ce que Dieu va venir bénir ton téléphone, bailler ton téléphone là, faire sortir des chants de louange? De toi, mon nom, répondez-moi. Est-ce que Dieu va venir bénir ton téléphone parce que il y a des chants de louange qui sortent de ton téléphone matin jusqu'au soir? Mais si toi, le téléphone est à côté et toi tu chantes derrière le téléphone, Dieu va dire mon fils est en train de me louer. Pourquoi? Parce que toi, tu as la capacité d'exprimer cela, ce que le téléphone n'a pas. Amen. Donc l'équipe de louange, quand vous venez ici. S'il y a des membres de l'équipe, qui est dans une équipe de louange? Alléluia. C'est qu'on s'est parlé aujourd'hui là. On s'est parlé aujourd'hui là. Amen. Quand vous venez ici, amen. Quand vous venez ici, si vous n'avez rien à exprimer, vous n'êtes pas en train de louer. Et si vous exprimez des choses qui ne sont pas correctes, vous n'êtes pas en train de louer. Quand vous êtes ici, tout le monde vous voit. Quand vous êtes ici, vous êtes plus vu, connu. Moi, souvent, je passe, puis les gens viennent me saluer, je ne sais pas c'est qui.
Mais je souris toujours. Parce que peut-être qu'il m'a... Ah, ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Donc, vous êtes vu. Maintenant, quelle intention vous anime quand vous venez ici pour louer Dieu? Amen. Quand on te dit, c'est toi qui vas conduire la louange, quelles sont les intentions qui t'animent au moment où tu viens? Comment même ton répertoire, tu le composes? Comment même tu choisis tes cantiques? Amen. Il y en a qui sont en parlant la semaine, ils réfléchissent. Non, il est tué. Non. Ils vont savoir que sur la terre, il y a les chanteurs, puis il y a les chanteurs. Il y a les chantres, et puis il y a les chanteurs. Non, j'ai... Et maintenant, comme tu es animé par cet esprit, va venir le moment où tu as choisi ton répertoire. Il y a deux dimanches, mais attends, le pasteur, papa pasteur aime ce chant. On met ça. Ça, c'est mon pasteur qui aime ça. On met ça après. Le chant, celui-ci, il a déjà fou le dimanche passé. Bon, non, il aime. L'autre chant, quand il met ça comme ça, là, les gens travaillent sur moi. Non, il aime. Il est tué ça. Il aime ça à la fin pour tuer ça. Et puis tu as venu ici. Tu es sûr que tu es en train de louer? Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de louer? Et là, mais c'est encore des introductions. Tout à l'heure, on va rentrer dans le fond. Mais si tu penses que tu es en train de louer? On va respecter Dieu. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Venez ici pour louer Dieu. On ne vient pas ici pour chanter les chansons qu'on veut. Quelqu'un a dit une phrase qui est très importante. Il dit la louange. Ou le, c'est pas juste de chanter des cantiques qui sont bien, mais c'est de chanter des cantiques qui se chantent déjà dans le cœur de Dieu. Amen. C'est comme, tu avais envie de manger quelque chose la journée là. Tu viens et puis c'est ça, madame a préparé. Voyez l'image? Tu vois un peu, non? Donc, si c'est le cantique qui se chantait déjà dans le cœur de Dieu, et que c'est ça que tu viens chanter, tu as vu le wow que tu as dit, non? Quand Dieu vient siéger, c'est ça qui se chantait dans son cœur. Donc, toi, ton job en tant que conducteur de louange, c'est pas de chanter les cantiques qui vont tuer. C'est donc d'entrer dans le cœur de Dieu pour voir ce qui se chante dans le cœur de Dieu. Et de venir reproduire cela ici. J'ai envie de dire même bêtement à la limite. Oui. Parce que le plus difficile, c'est pas chanter. Le plus difficile, c'est de savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Chaque fois que Dieu vient visiter son assemblée, il ne vient pas de la même façon. Ou bien au même titre. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Dieu est le Créateur. Dieu est le Sauveur. Dieu, il est le Roi. Donc quand il vient siéger, il peut décider de venir un dimanche siéger dans sa dimension de roi. Il peut décider de venir siéger dans sa dimension de père. Il peut venir siéger dans sa dimension de créateur. Il peut venir siéger dans la dimension de puissant guerrier. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si toi, tu ne te disposes pas par l'esprit, entrer dans la présence de Dieu pour savoir au moins il vient siéger, qui vient siéger. Amen. Il peut venir dans sa dimension d'époux. Mais la même louange qu'on donne aux puissants guerriers, c'est pas la même qu'au roi des rois. C'est pourquoi Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, conducteur de louange, vous allez chaque fois faire des choses à peu près. Vous allez louer Dieu dans une dimension qui n'est pas celle de son cœur ce jour-là. Vous allez sentir une présence de Dieu, mais qui est différente de la présence qui serait manifestée de par les cantiques qui se chantent dans son cœur. Donc retenez ça. La louange qu'on fait ici, équipe de louange, ce n'est pas vous, ce n'est pas adressé à vous. La louange n'est pas adressée, est adressée à Dieu. Mais ce serait terrible de voir qu'on a fini le culte, tout le monde est content, et la louange a déjà foulé le Dieu là. Et puis lui à qui c'est adressé,
Ouais, ouais. Pas mal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, dis avec moi que la louange a des dimensions. Dimensions. Donc, louange, prophétie, on va commencer à entrer dedans. Et demain, on va faire le parallèle. On va entrer dans les, dans comment, l'expression de la louange prophétique, qui n'est pas juste pour le groupe de louange. Hein. Je fais des encarts spécialement pour le groupe, l'équipe de louange, parce qu'ils doivent être équipés. Et là, j'insiste là-dessus. La louange a commencé au ciel. Et la louange va finir au ciel. Donc, quand on dit de louer Dieu ici, ce n'est pas de faire des choses qui vous plaisent. Je suis désolé. C'est la meilleure façon de passer à côté. C'est la meilleure façon de ne pas transporter le peuple de Dieu plus loin. Vous serez à la première dimension de la louange. Vous n'allez pas aller plus loin. Pour aller plus loin, c'est d'entrer dans le cœur de Dieu. Et ça se fait par l'esprit. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans Exode. Exode 25. Je vais entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Exode 25. Ou bien, tu es fâché. Hein? Vous savez, souvent, quand tu parles, j'ai dit, bon, on va commencer maintenant. Il y a un qui regarde sa montre et puis dit, Amen. Donc, Exode 25. On va prendre d'abord le verset 8. Donc, Dieu va parler à Moïse et Dieu va lui dire, en tant que Dieu, il veut être au milieu de son peuple en permanence. Et donc, il va donner des instructions, des consignes à Moïse afin que, en obéissant à ces instructions, Dieu puisse siéger au milieu de son peuple. Alors, Dieu va lui dire au verset 8, ils me feront un sanctuaire, dis avec moi, sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire ensemble, et j'habiterai au milieu d'eux. Autrement dit, Dieu dit, écoute, je vais manifester ma présence véritable au milieu de vous, mais vous allez me bâtir une sorte de, on va dire maison, ou qu'on va appeler sanctuaire, dans laquelle ma présence va être. Et par là, vous saurez que je j'habite au milieu de vous. Il dit bien, j'habiterai au milieu de vous. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. Et je suis sûr, et les historiens de la Bible aussi le disent, je suis sûr que tel qu'ils ont construit cette maison, ce sanctuaire, ça devait être vraiment aussi. Le peuple se déplaçait. Quand il se déplace et puis il se pose à un endroit, puisque ça fait près de 40 ans, nous dit la Bible, cet exode, ça fait près de 40 ans. Donc ça veut dire, ils n'ont pas juste marché comme ça. Il y a des moments où ils se sont assis, peut-être un an même, dans un endroit. Et Dieu dit, vous allez me faire un sanctuaire. Et je suis sûr que le sanctuaire était démontable. Donc quand il le place, le sanctuaire est vraiment au milieu. Parce qu'ils avaient ce truc-là de pouvoir obéir à Dieu à la lettre. Donc, le sanctuaire devait être au centre du camp. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ce sanctuaire, Dieu, après, dans tout le long d'Exode 25, va donner les orientations pour pouvoir bâtir ce sanctuaire. On va aller rapidement là-dessus. Ce sanctuaire avait trois niveaux ou avait trois zones. La première zone s'appelle le parvis. Dis avec moi, parvis. Et la deuxième zone, c'était la tente. Enfin, et dans la tente, il y avait deux zones. Donc, il y a le parvis qui est ouvert, mais qui est juste marqué par une clôture. On vous entend, il y a une clôture. Donc, il y a la cour, si vous voulez. Et puis maintenant, il y a la maison, qui est la tente. Et à l'intérieur de la tente, il y a deux compartiments. Le premier compartiment s'appelle le lieu saint. Et le deuxième compartiment qui était cubique, c'était un cube. Longueur, largeur, hauteur, c'était la même chose. Là-bas était le lieu très saint, ou le saint des saints, où l'arche était. Amen. Et quand Dieu va donner les instructions à Moïse,
Il va dire de disposer un autel dans chacune de ses parties. Amen. Donc, dans la cour ou dans le parvis, ils vont disposer là ce qu'on appelle l'autel des reins, qui était l'autel destiné au sacrifice usuel. Amen. Par exemple, quand tu naissais un mâle, au huitième jour, quand l'enfant est circoncis, on disait par exemple, dans Luc 2, vous allez voir, il fallait offrir deux tourtereaux ou deux jeunes pigeons. Tous les sacrifices étaient faits sur l'autel des reins. Dans le lieu saint, qui est dans la tente, le premier niveau de la tente, se trouve un autel aussi, qu'on appelle l'autel des parfums ou l'autel d'or. Et puis, dans le sein des saints, se trouve un autre autel qui est appelé l'arche. Jusqu'à là, si on se comprend. Donc, il dit, me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Donc, ce sanctuaire-là est l'habitation de Dieu, selon lui-même ses dires. Dieu habite dans le sanctuaire. Dieu dit de faire un autel à chaque niveau. Amen. Et l'autel, spirituellement, est un point de contact avec le surnaturel. Vous allez voir que dans la vie des patriarches, chaque fois qu'ils ont eu une rencontre avec le surnaturel, ou chaque fois qu'ils voulaient faire une rencontre avec le surnaturel, ils bâtissaient un autel, ils faisaient le sacrifice, et ils invoquaient Dieu. Amen. Vous allez voir ça dans Genèse 26. Isaac, par exemple, Genèse 26, c'est où il a sémé, il a été très riche, et les gens l'ont chassé. Amen. Et vous allez voir que le dernier endroit où il est arrivé, la Bible dit qu'il a bâti un autel, il a invoqué Dieu et il a déployé cette tente. Donc, il bâtissait un autel quand il veut entrer en contact avec le surnaturel. Donc, l'autel est un point de contact avec le surnaturel, donc avec Dieu. Donc, ça veut dire que dans le parvis, il y avait un point de contact avec Dieu puisqu'il y avait l'autel des reins. Ça veut dire, dans le lieu saint, il y a un point de contact avec Dieu puisqu'il y a un autel qui est là-bas, l'autel des parfums. Et ça veut dire que dans le sein des saints ou dans le lieu très saint, où Dieu lui-même y reste, parce que c'était l'arche qui était, l'arche était la matérialisation de la présence pleine de Dieu sur terre en cette époque. Donc, dans le sein des saints, là où se trouve l'arche, il y a une présence de Dieu aussi parce qu'il y a un autel. Mais, surtout, le sanctuaire est l'habitation de Dieu, la présence de Dieu qui était ou qui résidait dans le parvis était différente de celle qui résidait dans le lieu saint et est différente de celle qui réside dans le lieu très saint. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez une maison, il y a la cour, on va dire il y a le salon et il y a la chambre, si c'est comme ça on comprend ça. Bon, si tu veux la terrasse, mais ici c'est, en l'occurrence c'est la cour parce qu'il n'y a pas de terrasse. Donc, dans la cour, c'est votre maison. Mais ce n'est pas votre intimité encore dans la cour. Pourquoi? Parce que tout le monde peut entrer. La chambre, le salon, on entre un peu plus dans votre intimité, mais ce n'est pas encore ça. Donc, selon l'intimité que tu as avec quelqu'un, soit tu le reçois dans la cour, au portail, soit tu l'amènes au salon. Mais pour quelqu'un de plus intime, allons dans la chambre, on va en parler. Amen. Donc, ça veut dire la présence, on va dire ça, ta présence dans la chambre est différente de celle qui est au salon, est différente de celle. Dieu l'a fait exprès. Amen. Et autant il a fait comme ça, autant, j'allais dire, il y a une louange qui sied au parvis. Il y a une louange qui sied au lieu saint. Et il y a une louange qui sied au lieu très saint. Parce que la présence de Dieu n'est pas la même dans ces trois endroits. On se comprend. Si tu comprends, acclame le Seigneur. Donc, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire est l'habitation de Dieu, mais sa présence n'est pas la même dans les compartiments du sanctuaire. Donc, la première chose, il y a le parvis. Essayons de regarder le parvis. Donc, première chose, si tu veux noter, louange de parvis. Il appelle ça louange de parvis. La louange qui sied au parvis. Une des particularités du parvis, c'est que c'est le lieu de la population. C'est-à-dire, il n'y avait pas de règles, de restrictions à la venue au parvis. La Bible utilise aussi d'autres thèmes pour approcher le parvis. Dans la grande assemblée. Je te louerai dans la grande assemblée.
Le lieu saint, c'était les sacrificateurs seuls qui y entraient. Et le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur qui y entrait. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas vraiment de restriction au parvis. Donc, il y a une louange qui sied au parvis. Dis-moi, il y a une louange qui sied au parvis. L'une des particularités pour savoir que on est dans une atmosphère de parvis, qu'on est dans l'église, on entend de louange, c'est le fait que, comme c'est le lieu de la grande assemblée, tu as conscience de toi, tu as conscience des autres, et tu as conscience de Dieu quand tu es au parvis. Est-ce que vous comprenez? Quand on est dans une atmosphère de louange de parvis, on a une conscience de soi, des autres et de Dieu. Donc quand on est en train de, par exemple, louer, louons le Seigneur, il est vivant. Et puis on tourne avec son voisin, puis on s'étable les mains. Je ne sais pas comment les églises sont comprises, mais c'est un peu comme ça, la même scène dans toutes les églises qu'on chante ce chant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ça loue Dieu. Mais on est en plein dans l'atmosphère du parvis. Tu es le premier niveau. C'est-à-dire que tu as conscience de toi, tu as conscience de ton voisin, tu as conscience de la présence de Dieu, que Dieu est là. Amen. Dis-moi, louange de parvis. Voilà. Et généralement, les chants du parvis, c'est les chants où il y a toi qui dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. En général, ces chants-là mettent toujours ces trois acteurs-là, toi, les autres. Il est haut, il est haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Venez voir, c'est des chants, c'est le lieu des témoignages. Je te louerai au milieu de la grande assemblée pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Il y a un besoin de le dire. Et cette puissance, cette louange est forte et puissante. Quand vous partez par exemple dans un village pour l'évangélisation, la louange est parvis déploie l'atmosphère. Parce que ça permet aux gens d'être connectés. Vous partez d'un village bété, quand vous sortez le bébé. Oui, j'ai dit ça parce que dans la louange de parvis, c'est là-bas que les rites et les concepts ont une importance. Amen. Ah, moi, je fais du Zouglou gospel, moi, je fais du décalé gospel, moi, je fais du Zoblazo gospel, moi, je fais du reggae gospel, non, moi, je fais ceci, Zoblazo. Ça, c'est dans le parvis. Parce qu'on a conscience de ces choses-là. Amen. On a conscience de ces choses. Amen. Le parvis, il n'est pas fermé. Donc, le même soleil qui frappe hors du parvis, c'est le même soleil qui frappe dans le parvis. La lumière, c'est un peu la source d'inspiration. C'est là-bas que, c'est dans le parvis que les musiciens, ils ont qu'à faire tel blocage. C'est important là-bas. Là, ça groove. Gang, ouais, on est en train de groover. Ça a une importance beaucoup là-bas. Non, je veux que vous sachiez à quel, vous pouvez définir à quel niveau dans l'église locale vous êtes. Amen. Vous pouvez définir. C'est pas un problème d'être dans la louange, d'être au niveau du parvis. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le psaume 68 au verset 5, on a dit, vois ta marche, ô Dieu. Donc, c'est pas où on est qui est important, c'est le mouvement qu'on est en train de faire. Ça qui est important. Donc, naturellement, chaque église locale a un worship spirit, un praise spirit, un praise feeling, qui fait que, naturellement, ils sont soit au parvis, ou leur élan naturel est dans le lieu saint, par exemple. Tout dépend de
de ce qu'on entend comme enseignement, tout dépend de la culture de louange et d'adoration qu'on a, tout dépend de ça. Ça nous met dans un endroit. Amen. Amen. C'est quoi, vous êtes triste de toute façon. Si vous êtes un peu triste. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir que depuis la tête. André, tu es au pavis seulement depuis là. Mais j'ai jamais dit que la louange des pavis n'était pas bonne. Je vous ai dit, il y a un autel dans le pavis. Non, ça veut dire qu'il y a une offrande, un sacrifice de louange qu'on fait là-bas aussi. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein? Oh non, non, ne commencez pas à le prendre comme ça. Sinon, ton âme va s'abattre au-dedans de toi. Non, ne le prenez pas comme ça. Je dis juste les choses pour qu'on les comprenne et qu'on sache comment on passe du pavis au lieu saint, c'est tout. Sinon, c'est le pavis qui va faire que les gens seront convertis. C'est la louange de pavis. Amen. Dieu n'échoue jamais. Hein? C'est quel problème qui te fait échouer? C'est ça qui va faire que les gens vont quitter le monde pour venir. C'est des types de cantiques qui touchent les gens et qui leur parlent. Dieu est bon. Parce que dans le lieu saint, c'est autre chose. Amen. Le pavis, c'est le premier endroit quand quelqu'un est gagnant. Je sais là, il atterrit. Amen. Donc nous devons remplir le pavis. On remplit le pavis. On doit chanter. Quand on dit chante évangéliste, on va pas. Mais c'est remplir le pavis. C'est ton témoignage. C'est ton témoignage qui appelle les autres. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Donc il est capable de faire pour toi. Ou il peut faire même plus pour toi. C'est ça qui appelle les gens. Donc, s'il vous plaît. On n'est pas venu ici pour minimiser un niveau de choses. Hein. On est venu pour comprendre ce qu'on fait. Amen. Oui. La louange n'est pas vie. Quand Dieu dit, il va relever la tente de David afin que les nations reviennent à lui. Mais ce n'est pas la louange n'est pas vie. C'est pourquoi c'est bon d'encourager ça. En tout cas, tant que c'est Dieu qui inspire. Hein, c'est bon d'encourager ça. Il y a des gens qui ont des sensibilités. Si ce n'est pas reggae, celui qui va écouter musique. Si ce n'est pas rap, est-ce qu'il va écouter musique? Wesh, wesh. Bien. Si ce n'est pas rap, il ne va pas écouter musique. Donc, quand on met la loi dans le rap, il va écouter ça un jour. Il dit, les gars là. Ah bon, hein? Donc, ne. Ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Voilà. Ayez l'esprit ouvert. C'est ça que Dieu va utiliser. Il y a des groupes comme Rastafari. Ah non. Le premier morceau que j'ai écouté, c'est Lumière du monde, mais ils ont fait ça, c'est en anglais. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you are the Lord. Tu vois? Et les nations sont impactées. Ils ont ce moment. Donc, faut pas dans ton cœur juger la louange de ma vie. Mais donc, si on n'a pas vu, ça veut dire qu'on est les derniers. Non. Chaque louange a ça. À sa place, merci. Le pavis à sa place. Quand les gens sont convaincus, ils tombent au pavis. Le problème, ou bien le truc, c'est de ne pas devenir un doyen du pavis. Il y a les chrétiens qui sont les doyens du pavis. Lui, il m'a dit quoi? Nous, on est convertis, ça fait 20 ans. On est là. Ta me dit quoi? Yeah. Doyen, pardon. Oui. Tu peux être doyen du pavis. Ou bien. Doyen du pavis, tu es au pavis. Si quelqu'un est venu hier, qu'il est entré dans le lieu saint, quand il va venir, il va te dire ce qui se passe. Quand tu es au pavis, c'est une zone cachée, le lieu saint. C'est caché, on ne voit pas dedans. Donc, il y a des gens qui ont passé toute leur vie, tout autour. Et puis, le tissu qui est épais, c'est épais. C'est un tissu épais, on ne peut pas voir à travers. Le soleil n'entre pas dedans. Amen. Donc, ça peut faire qu'il y aura les doyens du pavis. Peut-être. Alors, c'est ça qui est un problème. Sinon, quand tous sont convertis, on a atterri au pavis. Et la plupart du temps, on est au pavis. La plupart du temps. C'est pas... Non, s'il vous plaît. Amen. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris la louange du pavis? Dans le lieu saint, première chose, c'est un endroit sélect. C'était pas, tout le monde n'était pas admis là-bas. Seuls les sacrificateurs sont admis au lieu saint. Amen. Et moi, seul les sacrificateurs.
Oui, le lieu saint est dans la tente. Le lieu saint est dans la tente. Au fait, dans la tente, là, il y a deux compartiments. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, il y a la cour, il y a la tente. Et dans la tente, là, il y a deux endroits. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, quand vous entrez dedans, c'est que vous êtes sacrificateur. Ça veut dire, pour être sacrificateur, les sacrificateurs recevaient l'huile pour être consacrés. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire, si vous voulez aller plus loin, nécessairement, il va vous falloir être conduit par le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous donne de pouvoir passer à un autre niveau dans votre louange. Amen. Sinon, que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est le parvis. Et ça, on se comprend. C'est le parvis. Il y a une louange qui sied au lieu saint. Et comment reconnaître l'atmosphère du lieu saint? C'est qu'on est conscient de soi et de Dieu. On perd la conscience des autres. Et ça, on se comprend. Si tu es dans... La Bible dit, si tu veux prier, entre dans la chambre et enferme-toi. Ça vous perd la conscience des autres. Il dit là, ton Père qui est là dans le secret, il t'entendra. Donc, l'atmosphère du lieu saint commence par le fait qu'on a conscience que de soi et de Dieu. C'est là, tu vois, le frère... Il commence à danser d'une manière là. Le frère qui est timide qu'on voyait là, là. Parce que il ne voit plus ceux qui sont autour. Donc, chaque fois que tu dis, moi j'ai honte de danser, quand tu as ta conscience des autres, dis à moi parvis. Bon, faut pas, ils vont voir. Parvis. Et si tu as toujours cette attitude, tu seras un doyen du parvis. Amen. Mais par l'esprit, on perd la conscience des autres. Et on avance plus devant le Seigneur. On est dans le lieu saint. On a conscience de soi et de Dieu. Et c'est là, les gens du cantique, qui nous mettent en rapport direct avec Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. C'est moi et Dieu. Moi avec Dieu. Moi en Dieu. Moi pour Dieu. C'est qu'on a quitté le parvis. C'est moi et Dieu. Amen. C'est moi en Dieu, moi pour Dieu, moi avec Dieu, Dieu avec moi. Mais la plupart des gens se centrent maintenant sur Dieu. Amen. Et on se comprend. Et en général, l'atmosphère qui prévaut là-bas, c'est ça qu'on appelle justement, on est dans un moment d'adoration. C'est toujours la louange. On a passé un autre niveau. Vous comprenez? On a passé un autre niveau. Par l'esprit. Voyez, un gars comme David. La Bible dit, je crois que j'ai le verset. La Bible dit, je nous prends ça. Oh, je ne l'ai pas ici. Mais je l'explique. La Bible dit, ah non, c'est 2 Samuel 6, verset 14. Le jour où ils sont venus prendre l'arche pour l'emmener, bon, la première fois, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que ils n'avaient pas compris que dans la loi de Dieu, l'arche ne devait être portée que par des hommes. Amen. Dieu a voulu que ce soit que les hommes qui portent l'arche. Et ce jour, il voulait tellement bien faire, il a acheté une nouvelle voiture. C'est ce que dit la Bible. Ils ont fait un nouveau char. À l'époque, c'était les voitures de l'époque. Donc lui, pour pouvoir honorer Dieu, c'est comme il dit, l'arche est tellement importante. Il faut que ce soit une Range Rover qui prenne ça pour partie. C'est un peu ça dans son esprit. Parce que là, il dit, le char, là, il venait, ils l'ont fait de façon spéciale pour l'occasion. Donc, il va acheter une Range Rover. Oh, Dieu dit, c'est les hommes. Dieu a toujours voulu être porté par les hommes. Pas les animaux. Donc, ça n'a pas marché la première fois. Mais la deuxième fois, quand il a compris comme il fallait faire, il a pris les Lévites, ils ont mis les bois où on devait mettre, ils ont porté. La Bible dit, donc dans ce que je vous ai dit, le passage, je vous ai dit, David dansait, comment? Devant l'Éternel. Il y avait la foule. Il y avait la foule.
Mais Abel dit, lui, il dansait devant l'Éternel. Et c'est pourquoi c'est pas pour un roi et pour quelqu'un qui ne comprenait pas les choses, il pouvait se moquer de lui. Mais il ne voyait plus quelqu'un. Il ne voyait plus quelqu'un. Au moment où tout le monde est dans l'atmosphère de parvis, parce que tout le monde le regardait, hey, le roi est en train de danser. Lui, c'est lui et Dieu. Il danse devant Dieu. Il loue Dieu. Il ne se contrôle plus. Mon frère, tant que tu te contrôles trop dans tes pas de danse là, on parvient un peu, hein. Oui. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu et toi. Le regard de ton pasteur, je ne dis plus rien. Mais ici, sa future fiancée, elle va dire encore sa future fiancée est là. Oh, le gars, il a montré l'image d'un choco. Donc, comme il est là, tu vois, non, il fait les petits pas. Petits pas. Et encore savoir que lui, c'est un gars, il est stylé. Il danse pas en désordre. Amen. Par vie. Tu continues quand tu as devenu un doyen de par vie. Oui. À un moment donné, l'atmosphère change. Tu ne vois plus quelqu'un. Quelqu'un donnait ce témoignage, là, cette histoire. Il dit, il y avait une femme, son mari n'était pas chrétien. Et elle est chrétienne. Donc, quand elle veut venir à l'église chaque dimanche, elle lui dit, va, il faut me déposer. Donc, lui, il boude, il tourne. Elle vient toujours un peu en retard. Au moment où elle vient, c'est le moment de la contemplation. Donc, avec des chants qui vont avec. Tu vois. Et puis, quand elle retourne à la maison, il lui dit, dans votre église, vous avez les slow méchants. Hein? C'est moqué d'elle. Vous avez les slow méchants. Hein? Jusqu'à un jour, il lui a dit, mais slow méchants, là, faut venir, on va écouter ça un jour. Le gars venait d'arriver, il venait à l'église. Quand ils ont commencé, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, Seigneur. La présence de Dieu était tellement forte. Elle regarde à côté d'elle. Son mari à genoux, larmes morves, tout ça. Tu es. Oh, Jésus est doux. Hein? Jésus est doux. Chante, vous avez la responsabilité de conduire le peuple plus loin que le parvis. Vous avez la responsabilité. Une assemblée qui n'a. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans le lieu saint. Il lui manque une forme de révélation de Dieu. Il lui manque un autre niveau de révélation de la puissance de qui est Dieu. C'est votre responsabilité. Et elle est forte, elle est énorme, elle est pesante, elle est lourde. Vous devez mettre les moyens à votre disposition pour que le ministère, vous puissiez le connaître pour pouvoir faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Pourquoi? Parce que Jésus est présenté comme l'époux de son église. À un moment donné, l'époux a besoin d'intimité avec son épouse. Et ça, c'est pas au parvis, ça se passe. Est-ce que vous comprenez? C'est pas au parvis. C'est pas dans la cour qu'on a intimité avec sa moitié. Amen. Je vous fais peur. Je vous fais frayer. À un moment donné, l'église qui est l'épouse doit être conduite vers l'époux. C'est important. C'est important. Et ça, c'est pas au parvis. Dans ta vie, à un moment donné, souvent quand on parle de louange, on pense que c'est ici là seulement. Et l'équipe de louange,
Ce que tu ne fais pas toi seul, tu ne peux pas le faire ici. Si toi seul, tu n'arrives pas à entrer dans le lieu, c'est pas ici, là. Et souvent, on tombe dans la manipulation. J'ai devant là-bas. Tu veux manipuler le peuple. Sa présence est là. Toi-même, tu sais que... Zéro. Tu sais? Quand la présence de Dieu est là, on sait. Ou bien? Vous faites dans la manipulation. Et on sait ça. Le peuple de Dieu s'en va, il est vide. Il est venu comme ça, il est parti comme ça. Qui t'a dit ça? Non. C'est ta responsabilité de revêtir ce qu'il faut, de chercher la face de Dieu et de prendre le peuple de Dieu pour le conduire dans la présence, de prendre l'époux pour la conduire dans la présence de son époux. Au verset 22 de Exode 25, il dit, tu me feras un propitiatoire, ça c'est, on parle du lieu saint, c'est là-bas, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Pourtant Dieu, il y a un autel dans le parvis, il y a un autel dans le lieu saint, l'autel de parfum. Mais il dit, c'est là-bas que je me... Ça veut dire, et je te donnerai ma parole, mes instructions pour le peuple de Dieu. La parole de Dieu est appelée aussi sa sémence. Le sens profond de sémence, c'est sperme. Dis-moi, amen. C'est des mots. Il ne faut pas être choqué. Ça veut dire que Dieu fait son dépôt de lui en toi. Au moment où tu es là-bas dans le lieu secret. Amen. Et c'est ça qui rend fort l'église. C'est ça qui rend fort l'adorateur. C'est ça qui rend fort le chrétien. La Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu 7, 21-22, il dit, éloignez-vous de moi. Plusieurs me diront ce jour, mais en ton nom, nous avons guéri les malades. En ton nom, nous avons ressuscité les morts. Il dit, ce qui fait peur, il ne va pas leur dire c'est faux. Dieu ne leur dira pas c'est faux. Il ne leur a pas dit c'est faux. Donc certainement, ils ont fait cela. Ces choses sont arrivées. Il dit, ouais, mais... Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas une affaire de j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, le critère, c'est je n'étais pas connu. Et c'est Dieu qu'on n'est pas un homme. Mais donc, le connu qu'il est en train d'utiliser n'est pas le connu de l'intelligence. C'est le connu de l'intimité. Est-ce qu'on se comprend? Qui est le connu de Adam, connu Ève et elle enfanta. Il dit, ouais, tu as fait tout ça, mais je n'étais pas connu. Chier. Non. Je préfère à la limite ne pas faire tout ça. Et d'être connu. Que Dieu me connaisse. Vous savez, David, le dernier conseil qu'il a donné à son fils Salomon, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais l'Éternel, ton Dieu. Et sans l'esprit au moins, je crois. Connais l'Éternel, ton Dieu. Dans le parvis, tu ne pourras pas être connu. Quand bien même il y aura une présence de Dieu, quand bien même il y aura des témoignages là-bas, tu cours le risque de ne pas être connu. Parce que tu n'as pas voulu aller plus loin. Et aller plus loin, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Oui, chante, où qui que tu sois, dans la louange, il faut aller plus loin. La Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, je crois que hier on en a parlé. On va lire ça. Deux Chroniques 20, au verset 22. On commence au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, disaient louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Au même moment que l'on commençait à chanter les chants et les louanges,
l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. D'accord? Mais il dit, puis, au verset 21, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Dis-moi, revêtus d'ornements sacrés. On dit, on va en guerre, Dieu dit, mettez les chantres. Amen. Et puis les soldats qui sont là. Ah. Vous savez, si les généraux, ils ont laissé que les chants soient devant, c'est vrai que c'était parce que Dieu l'avait dit. Mais ils ne regardaient pas les chants. Ils regardaient l'ornement sacré. C'est quoi l'ornement sacré? C'est ça. Si tu n'as pas l'ornement sacré, on te met devant les gens, on te tue. L'ornement sacré, c'est le revêtement, c'est l'onction. C'est l'onction. La première chose, on dit, puis, d'accord avec tout le peuple, il nomma des chants. Ça veut dire, il y avait plusieurs chants. Mais avant de prendre celui-là, on passe en conseil. Non, ce gars-là, il n'a pas un bon témoignage. Sa vie, non, il ne faut pas en le prendre. C'est ça, on dit, puis, d'accord. Donc, c'est le témoignage. Premièrement, le témoignage en tant que chant. Équipe de louange, c'est là-bas, il y a souvent. Tu n'es pas dedans, non. Impulsivité, jalousie. Souvent, il y a des restes où ils ne donnent pas un micro à quelqu'un pendant un mois. Parce qu'ils chantent pas, ils chantent mieux que toi ou mieux quoi. Tu n'as rien compris. C'est une équipe, ce n'est pas un groupe. Et puis on tue le talent que Dieu a mis en quelqu'un. Un gars qui pouvait faire un bon pianiste, on l'a mis en troisième place, il s'en va ailleurs. Ce n'est pas aussi pour ça que vous avez parti ailleurs. Si tu vas ailleurs, ton cœur a un problème. Ah. Parce que ce n'est pas qu'on lit seulement qu'on loue Dieu. Quand vous êtes dans un moment de worship comme ça, le Saint-Esprit, quand il vient là, il survole sur vous. Si vous comprenez? Par un moment donné, il se pose sur le pianiste. Le pianiste peut ne même pas sentir. Mais si tu regardes les choses par l'Esprit de Dieu, tu vas sentir que hein, le pianiste, il est en train de... Il place juste au moment où il faut ce qu'il faut. Et puis vous sentez la chose. À un moment donné, il vient auprès du batteur. Parce que l'Esprit de Dieu aime ça. Il vient auprès du batteur. Et tu vois, le batteur a une inspiration. Et on sent la chose. À un moment, il vient la chose sur un choriste qui peut être derrière là-bas. Et le gars parle, il place un parler en langue là où il fallait. Ce n'est pas sur les leads seulement. Là, c'est pas. Donc, ce n'est pas quand tu es devant là que... En réalité, ton cœur cherche à être devant pour faire ta mot. Tu es en promotion. Oui. Les livres vocaux là, c'est Marie vite. Kanya. Mais reste pour une café aussi. L'ancien livre là, c'est Marie. Après, elle l'autre, mais une café aussi. Il va nous placer. Tu es vaincu. Amen. L'ornement sacré. En tant que chante, voilà ce que tu dois chercher. L'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Onction, onction. Demain, quand on va aborder le prophétique, je parlais de l'onction. L'onction. C'est ça qui fait entrer dans le lieu saint. Amen. L'onction. C'est ça qui va te permettre d'entrer dans le cœur de Dieu. Pour voir les chants qui se chantent dans le cœur de Dieu. Pour venir les chanter ici. Quand vous commencez, c'est pas une affaire de, on m'a donné 5 minutes, on m'a donné 10 minutes. C'est une affaire de profondeur. Même en 5 minutes, l'Esprit de Dieu peut remplir la salle, non? D'une façon où tout le monde sent que... Amen. L'onction. Tu dois savoir t'effacer pour laisser l'onction parler. Amen. Tant que tu es dans le... J'aime ce chant-là, il met ça à la fin et puis il tue avec. Il est tué avec. Si tu es dedans, il faut te repentir en même temps. Dans le secret. Oui. Parce qu'il n'y a pas plus grand injure au Saint-Esprit que ça. Lui, il est là. C'est son job de te dire, voilà ce que tu dois faire. Merci Seigneur. Dans Esther 2, la Bible dit, quand ce fut au tour d'Esther d'aller vers le roi, elle ne prit que ce que lui avait recommandé Hegai.
qui est un eunuque du roi, qui connaît les goûts du roi, parce qu'il y a longtemps qu'il est avec le roi, et qui sait qui est bon pour la royauté. Quand Esther est venue, sa tête a plu à Hegé. Hegé dit, laisse, je vais te coacher. Le jour où elle devait aller, parce que comment ça se passait? On prend les filles, elles sont dans une chambre. Ça, c'est la chambre des prétendantes, si tu veux. Le roi est là, la chambre du roi est là. Je chantais linéariser la chose. La chambre du roi est là. Entre la chambre du roi, entre la chambre des fiancés et la chambre du roi, il y a la salle du trésor. Donc, chambre des prétendantes, salle du trésor, chambre du roi, et puis chambre des concubines après. Ça veut dire que toi, tu es déjà passé chez le roi, tu attends. Et quand on dit, c'est à ton tour d'aller vers le roi, on prend la dame, on dit, entre dans la salle du trésor. Toutes les parures, en tout cas, tout ce que tu penses que ça sera un atout pour toi, il faut mettre chez toi. Amen. C'est là maintenant tu vois les cœurs. Tu vois le cœur de l'homme. Quelqu'un a dit, mais peut-être que le roi, là, on est mille ici. Moi, mais j'ai vu des femmes plus belles que moi. Peut-être qu'il est parti à lui là. Peut-être qu'il va même passer. Celle dont le roi va se souvenir et va dire son nom, c'est elle qui devient la reine. Est-ce que moi-même, là, je peux se souvenir de moi? Attends, prends pour moi ici en même temps. Elle va le voir, le roi, avec calebasse. Tu vas faire quoi, ça, là-bas? Tu vois? Et il y en a dans le musée de louanges qui sont bloqués à la salle du trésor, dans le piège de la salle du trésor. Ils sont bloqués dans le piège de la salle du trésor. À un moment donné, les pensées le ramènent à lui-même. Joe, tu as payé ton loyer, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il est bloqué là-bas. Il ne va plus rencontrer le roi. Mais c'est comment lui va faire pour survivre après. C'est ses calculs, dans les calculs. Ne sois pas dans les calculs au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans le gombo, aujourd'hui, je décrète que le gombo ne glisse plus. Je n'ai pas entendu acclamer le Seigneur. Quelqu'un dit dans son cœur là-bas, tu parlais bien. Hein? Tu parlais bien. C'est bizarre. C'est pas bien, mais c'est bizarre. À l'époque, on faisait un cours là. Le premier jour, quand le prof est venu, c'était l'introduction. Il parlait, on était content, on posait les questions. Deuxième jour, quand il est venu au tableau. Donc, il y a les formules. Mon voisin dit, il a été gâté la matière. Donc, c'est quand il a été gâté quand le ministère là. C'est un piège. Dis-moi, c'est un piège. Si je ne te dis pas ça à l'école du ministère, là, ça me fait. Je n'aurais pas tout dit. C'est un piège. Donc, la dame, elle quitte là-bas, on dit, tu dois rencontrer le roi. Quand elle vient dans la salle, elle perd de vue que c'est le roi qu'il faut satisfaire. C'est le roi, c'est le roi. Il faut contenter le roi. Dans la salle, il passe tout son temps. Qui? Ce bijou-là. Donc, le roi est là-bas, il attend. Toi, tu es en train de faire tes petits calculs. Alors, quand la Bible dit, en Esther 2, quand ce fut autour d'Esther d'aller, elle ne prit que ce que Hegé lui avait dit. Hegé dit, moi je connais le roi. Ma petite, c'est ça là qu'il faut prendre. Ça, t'as pas besoin de t'emmerder. Prends juste ça pour partir. C'est ça. Quand on doit conduire la louange, Hegé, qui est l'image du Saint-Esprit, doit pouvoir te dire, c'est ça là. Voilà le champ qu'il faut prendre. Prends ça là. Il faut prendre. Quand tu finis, il faut chanter ça. Je connais le vieux. Ça, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, son Dieu et les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu. Il sait ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc, il te dit, fais ça. C'est que c'est ça Dieu veut. C'est ça que Dieu a dans son cœur. Il pense au chant. Après, tu mets celui-là. Après, tu mets celui-là. Quand tu finis ça, tu vas voir. Et puis, ça va tout seul. Pierre, quand il a prêché, puis 3000 personnes sont convaincues. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Pierre a dit? Dans Actes. Quand il a prêché plus de 3000 personnes, il a dit quoi d'extraordinaire? Qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ne disent pas plus. Non, rien dit. Mais l'Esprit Saint a fait la différence. Donc, c'est pas parce que le chant est sophistiqué que ça va faire quelque chose. C'est pas ça.
Mais, même s'il est sophistiqué, que l'Esprit de Dieu dit c'est lui, c'est lui. S'il n'est pas sophistiqué, que l'Esprit de Dieu dit c'est lui, c'est lui. On se comprend. Et une fois, on était en crise. Pendant la crise, là, on ne répétait pas. Mais on venait chanter. Et quand on ne répétait pas pendant longtemps, il arrive que votre dimanche en termes de prestations se ressemble. Parce que vous n'avez pas le temps d'introduire de nouveaux chants, etc., etc. Et rien qui est venu me dire, approchez, il reste pour lui. Et Dieu lui dit qu'on a changé un peu les chants. Il dit, c'est ta chair qui dit qu'on a changé les chants. C'est ta chair qui est fatiguée d'entendre les mêmes chants. Moi-même, ma chair aussi me fatigue d'entendre les mêmes chants. Le jour où Dieu va me dire, il est fâché comme ça, j'aurai un problème. Mais je n'écouterai pas ta chair, je n'écouterai pas ma chair. Amen. Parce qu'un père, son enfant a envie de lui dire, je t'aime papa. Je n'ai jamais vu un père qui se lasse de ça. Il lui dit ça de la même façon chaque matin. Chaque matin, c'est nouveau dans son oreille. Amen. Non, ce n'est pas la qualité du chant. Amen. Et ça, je sais qu'on vous l'a déjà dit. Genèse 4. Dieu portait un regard favorable sur Abel. Non, pas sur l'offrande d'Abel. Il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. C'est toi d'abord, Dieu, check. Ce que tu es est plus important aux yeux de Dieu que ce que tu fais. Quand bien même il y a un vrai lien. Mais ce que tu es, comment tu deviens, c'est plus important aux yeux de Dieu. Donc quand tu viens chanter là, c'est toi, Dieu, regarde. Si Dieu t'a checké, qui n'a pas jeté un regard favorable sur toi, tous les chants que tu vas, Dieu ne va pas regarder ça. La seule espèce qui ne t'aime pas, mais qui aime ce qui est dans ta poche, c'est les hommes. Et donc, il peut ne pas t'aimer, mais tant que tu donnes à avancer. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, on va aller rapidement au lieu saint. Et puis, j'ai envie de faire le lien avec l'adoration. Vous êtes d'accord que on puisse comprendre encore l'adoration, pour faire un peu pour comprendre mieux comment l'adoration et la louange fonctionnent, vont de pair, mais en étant des choses carrément différentes. Enfin, différentes. En étant des choses où chacun a sa spécificité. Donc, le troisième niveau, c'est le lieu très saint. Là-bas, on a conscience de... On a conscience que de Dieu. Amen. C'est pourquoi très souvent, quand les gens sont dans ce... Tout, je me rappelle, une fois on a fait un worship dans une église. On est entré dans la profondeur de Dieu jusqu'à... J'ai senti en moi le besoin de dire à l'assemblée, garde silence et contemple Dieu. Et puis... Silence. Mais le silence là, c'est tout le monde a senti que on est arrivé à un point où dans le lieu c'est. Et quand c'est comme ça, en fait, là-bas, Dieu dit dans le lieu saint, je me rencontrerai avec toi et je te parlerai. C'est Dieu qui parle. Toi-même, tu t'oublies. Tu oublies les autres, tu t'oublies, c'est que Dieu. Et Dieu déverse ce qu'il doit déverser en toi. Et souvent, tu as juste des petits ressentis. Il y en a, c'est les larmes qui nous font sortir. Il ne peut plus dire quelque chose. Parce que c'est Dieu qui est en train de le remplir. Et quand Dieu nous remplit comme ça, très souvent, ton corps n'en a pas conscience, mais ton esprit reçoit, ton esprit est rempli. Et souvent, c'est juste quitter quelques mots de parler qui peuvent sortir, mais tu as la présence pleine de Dieu. On était dans ce moment-là. Et puis, dans ce silence, il y a un chant qui m'est venu à l'esprit. Et puis j'ai mis. Le chant, c'était « Silence, silence, le maître arrive, le Christ arrive, le feu descend. » Quand on a entendu ça, Léon m'a décollé de la chaise. C'est-à-dire, la présence de Dieu était... Tu vois, Léon commençait à décoller, a commencé à ressentir. C'est-à-dire, le corps exprimait la chose que l'esprit était en train de recevoir.
Chacun exprime ça de sa façon. Il y en a qui ont des secousses. Il y en a qui se mettent à genoux. Il y en a qui... Il y avait un frère, lui, il est là. Lui, tout ce qu'il dit, waouh, waouh. Le frère, il voit quoi? Peut-être qu'il ne voit rien. Mais le corps exprime ce que l'esprit voit. Ce que l'esprit ressent. Ce que l'esprit reçoit de Dieu. Waouh, waouh. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est la dernière fois que tu as atteint ce niveau dans la louange? Ton regard m'inquiète. Tu as envie de me dire jamais. Et quand je dis ça, ce n'est pas toujours à l'église. Hein. Sinon, je parle de ta vie personnelle. Tu n'as pas bien d'être à l'église. C'est ce que je dis aux chants là. C'est que tu ne fais pas toi seul. Tu n'as pas fait ça devant les gens. Il ne faut pas distraire les gens. Si toi seul, tu n'arrives pas à entrer dans le lieu saint, ce n'est pas ici là qui n'est pas extraordinaire. Tu vois. Et tu ne pourras pas conduire quelqu'un quelque part. Tu ne peux pas conduire quelqu'un là où tu n'as pas connu. On est d'accord avec ça? Tu ne veux pas conduire quelqu'un. Là, tu n'as pas connu. Moïse, il était une onction. Aujourd'hui, quand tu vas en Israël, c'est que Moïse a fait ombrage à Jésus. Dans l'esprit, là, c'est Moïse. C'est ce que Moïse a dit. C'est au nom de la loi de Moïse qu'ils ont tué Jésus. Moïse, donc, ça veut dire Moïse a été un grand homme qui a fait des choses extraordinaires. Mais Moïse a fait tourner le peuple pendant 40 ans dans le désert. Quand il est mort, et que Josué a pris, Josué a dit, préparez-vous, dans 3 jours, on va à la terre promise, voilà ça qui est là. Moïse ne connaissait pas où ça se trouvait. Il n'avait jamais vu la terre promise. Tu ne peux pas conduire quelqu'un où toi-même tu n'es pas entré. Josué avait été envoyé comme espion. Il a vu, il a touché, il a vu le chemin. Il a pu dire, préparez-vous, on s'en va. Amen. Donc, chante. C'est ce qu'il dit là. Si tu penses ça bien sur toi, un jour on va te dire, va conduire. Tu vas dire, non, je ne suis pas. Parce que je ne vous emmènerai pas plus loin que le parvis. Tu ne peux pas amener le peuple de Dieu là où tu n'es jamais parti. Et tu vas voir, les gens, quand ils ont une batterie de chants. Et c'est comme si on essaie lui là, on voit si ça apprend. Ça a pris. On envoie l'autre. On envoie l'autre. D'un moment, ce n'est pas le nombre de chants qui est important, c'est la profondeur. Tu peux faire une heure avec un seul chant. C'est la profondeur. Ce n'est pas le nombre de chants. Donc les gars, ils envoient. Parce que tu veux jouer sur la sensibilité des gens. Au point où, comme l'homme réagit à cette... Il y a des chants là. Tu fouilles même dedans, ce n'est pas de la louange. Mais comme les hommes aiment ceux qui parlent de leurs problèmes, quand on chante ça, tu vois le gars en transe. C'est ton corps qui est en transe dans le parvis. Oui. Il y a des chants de lamentation. Il y a plein de chants de lamentation. Aujourd'hui, là, quand on est dans un moment où on veut contempler Dieu, tu sors le chant de lamentation là. Parce que c'est ça qui fait que les gens tremblent. Les gens, tu ne les envoies pas plus loin. Les chants de lamentation, on dit, Seigneur, regarde mon problème. Les gens m'ont abandonné. Les gens ont fait ça. Les gens ont fait ça. Le gars, il s'identifie à ce que tu dis. Il commence. Mettons Dieu au centre. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous permettez que on aille un peu, on déborde un peu? Est-ce que vous permettez? On ne permet pas. Hein? Ok, si on peut qu'on déborde un peu. Parce qu'après un tel moment, on doit entrer dans la présence du Seigneur. Mais je vais parler de 2 ou 3 choses encore. Amen. Donc la chose est là, elle est claire. Souvent, par méconnaissance, on fait des choses. On pense qu'on est allé loin, mais en fait, on est au parvis. Tu es en train d'explorer toutes les dimensions du parvis. Tu es en train d'explorer toutes les dimensions du parvis. Et tu penses que tu es allé plus loin. Amen. Oui. Ce n'est pas tous les chants là qui sont... Il faut au moins écouter ce que ça dit. Il y a des lamentations là qui font pleurer. Les chants et lamentations. Parce que tu vois toi-même ta vie là,
Le gars a chanté ce que tu traverses. Et les chants savent que ça là, on paye ça. Moi, je chante. C'est. La première fois que le Seigneur me permettait de faire une œuvre, c'était en 2006. Et je bénis Dieu que ce ne soit pas sorti. Si c'était sorti, on ne serait pas ici en train de parler. C'est-à-dire que ma vie allait autre chose. Ce n'est pas sorti. Mais aujourd'hui, quand je réécoute, je dis, ouais, Seigneur, merci. Parce que je ne veux pas être... Ce n'est pas ça là que je veux t'apporter dans mon ministère des chants. La chose, la même chose, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne va plus dans ma vie, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Les autres avancent, je suis toujours derrière, Seigneur, mon Dieu. Ils ont leur voiture, j'ai une vie de misère, Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne va plus dans ma vie, mon Dieu. Si c'était sorti là, tu allais acheter. En brie. Ça allait te plaire. Mais je bénis Dieu. Je dis, non, ce n'est pas cette race de chante que je veux que tu sois. Amen. Donc, il y a les lamentations, mais il faut aller dans le sens un peu plus profond des choses et ne pas se laisser diriger par les émotions. Les trucs, voilà. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tu vas te fâcher. Dans Marc 5, 24 à 34, nous parle de la guérison, nous parle de deux femmes. Donc, Marc 5, 24 à 34, vous pouvez noter, c'est la guérison de la femme qui avait une perte de sang. Et puis, quand vous prenez Matthieu 26, 6 à 13, et Jean 12, 3 à 8, vous voyez la femme qui est venue verser le parfum sur Jésus. Deux femmes qui ont touché Jésus. Mais c'est carrément deux histoires différentes. La première a dit en elle, si je peux, son vêtement, je serai guéri. Quand vous voyez le verset, il commence par le fait que il y avait une foule qui suivait Jésus. Dis avec moi, foule. Dis avec moi, parvis. Foule et parvis. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Et la femme, elle est venue, elle s'est tirée dans cette foulée, elle est venue toucher Jésus, elle a été guérie. Dans la rue. Jésus dit, une fois c'est sorti de moi, quelqu'un m'a touché. Mais puis la femme elle-même, c'est moi. Voilà, tu as été guérie, tu es sauvée, va, ne pêche plus. Amen. Que le Seigneur te guérisse. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Que le Seigneur te guérisse, qu'il te rétablisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Une autre femme a entendu que Jésus était dans la maison. Elle était dans la, et il était dans la maison en train de manger parce qu'on l'avait invité à table, dit la Bible. Et l'histoire est racontée de deux façons. Pour d'autres, elle a versé le parfum sur ses pieds. Pour l'autre, elle a versé sur sa tête. Amen. Mais la femme, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est quand même... Ça attire l'attention. Alors que la première, la foule l'empêchait. Elle a pu... On était dans la rue, hein, mais c'était difficile d'atteindre Jésus. Mais là où il est dans une maison, tu vois, elle a pu entrer. Je ne sais pas comment. C'est comme si peut-être tout le monde était arrêté pour la regarder. Je ne sais pas. Jusqu'à aller à Jésus, verser le parfum. Et puis elle ressortait. Maintenant, les gens sont épalés. Ils ont reconnu l'odeur du parfum. Il dit, mais ce parfum-là, on pourrait le vendre 300 deniers et puis s'occuper des malades, s'occuper des pauvres. Jésus va lui dire, ne lui faites pas de la peine. Vous voyez? Et il a dit quelque chose qui est attaché à la vie de la femme. Il dit, partout où l'évangile sera prêché,
on parlera de cette parole. Partout où l'évangile sera prêché. C'est-à-dire, elle n'est pas venue demander quelque chose à Jésus. Vous voyez la différence entre les deux femmes. L'autre était venue parce qu'elle voulait recevoir de Jésus. Elle voulait être guérie. Et Jésus guérit. L'autre, elle est venue parce qu'elle voulait faire du bien à Jésus. Elle voulait verser le parfum. Elle a reconnu que l'autel, il est le souverain sacrificateur. C'est sur lui qu'il fallait verser. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. Et Jésus va lier le destin ou le témoignage de cette femme à la parole. Or, la Bible dit que la parole de Dieu subsiste à toujours. Toute chose, ça va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et Jésus prend le destin de cette femme, il prend son témoignage et il bloque ça dans la parole de Dieu. Waouh! Dis à moi, waouh! Mais les deux attitudes, la première est une attitude de parvis, l'autre est une attitude de lieu saint. Vous comprenez? C'est une attitude de parvis. On est motivé par un cœur qui veut recevoir, parce que les choses tournent autour de nous encore. L'autre, on est motivé par un cœur qui veut donner. La dame, elle avait une mauvaise vie. Mais elle a laissé. Et puis, elle est partie verser sur Jésus. J'ai dit à quelqu'un, verse ton parfum. Commence à verser ton parfum. Jean qui rappelle cette histoire a mis l'accent sur le parfum. C'est Jean qui a dit le prix. C'est lui qui a donné le prix. C'est dans Jean qu'on voit ça. Et il dit, l'odeur du parfum a rempli. Dis à quelqu'un, le monde spirituel, c'est une affaire d'odeur aussi. Hein. C'est une affaire d'odeur. Genèse 8, Dieu sentit le parfum du sacrifice de Noé. Et puis il est descendu sur la base du parfum qu'il a senti. Sur la base du parfum qu'il a senti, il est venu. Parce que c'était une odeur agréable. Et il a pris un décret. Il dit, aussi longtemps que les saisons vont se tourner, il ne va pas détruire la terre par l'eau. Sur la base du parfum. Quel parfum tu apportes à Dieu? Quel est le parfum? Quand tu approches de Dieu, est-ce que même tu as un parfum que tu l'as? Quel est le parfum que tu déposes sur lui? Pour elle, il a dit, vous avez les pauvres toujours avec vous. C'est-à-dire, la maladie est toujours là. Tes soucis seront toujours là. Enfin, je veux dire, le monde sera toujours rempli de soucis. À un moment donné, il faut aller au-delà pour verser le parfum sur le Seigneur. Amen. Je vais terminer par rapidement. Donc, jusqu'à là, on a parlé de louange. Je veux faire juste le rapprochement avec adoration. On est venu ici sur un sujet de louange. Et puis demain, on va attaquer le côté prophétique de la louange. Souvent, on dit louange et adoration. On les joint, on les met ensemble, on les sépare. Et je vous assure que pour plusieurs, c'est pas trop clair. Qu'est-ce qui est adoration? Qu'est-ce qui est louange? Et au finish, ça devient une affaire de rythme musical. Quand c'est rapide, c'est louange. Quand c'est posé, c'est adoration. Donc, quand le pasteur dit, groupe de louange, sentez-moi comment ne pas te louer. Le chant, le lead va dire, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Le pianiste est prêt. Lui cherche la gamme. Pianiste, bassiste, il cherche la gamme. En quelle gamme? Lui va se poser en quelle gamme? On pense en quoi? Le batteur, il est là comme ça. Sa question, il va poser. On prend ça en louange ou bien en adoration? c'est ça, lui, il attend. Parce que si tu lui dis, on prend en louange, comment ne pas te louer? Si tu lui as dit, on pense en adoration, passe tout. Comment ne pas te louer? Dans le même cantique là, les cantiques de louange, mais les cantiques d'adoration. Vous riez. Pourquoi vous riez? Bah, il y a quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a quelque chose qui n'est pas bien clair. Donc lui, il est là, le batteur. Ou bien, les batteurs, ils sont fous. Lui, il est calé. Il
dit oui, j'ai compris. Mais je prends ça en quoi? C'est ça que tu ne m'as pas dit. Si je prends ça en louange ou bien est-ce que je prends ça en adoration? Ben pour lui, c'est clair, c'est une affaire de rite. Non, on veut adorer Dieu. Passe. Passe. Il y a un batteur ici. Il y a quoi le batteur? Ah, il y a un batteur là aussi. Donc, ce n'est pas ça d'abord. Frère, l'adoration n'est pas musicale d'abord. Dis-moi l'adoration. Je n'aime pas le contraire musical. Même. Amen. Dis-moi l'adoration, c'est une question de relation d'abord. Dis-moi relation. Donc, ce n'est pas une question de musique, c'est une question de relation avec Dieu. L'adoration est d'abord une question de relation avec Dieu et de ce qui est mis dans cette relation. Amen. Amen. La louange va exprimer quelque chose en termes de notre admiration, de ce que Dieu est pour nous, de comment grandes choses de Dieu va exprimer ça. Mais l'adoration sera la relation qu'on partage avec Dieu bien plus que ce qu'on dit. Je donne un exemple. Il y a des gens qui aiment Didier Drogba, je prends ce thème-là. Qui, parce qu'ils l'aiment, ils aiment son foot. Ils se renseignent sur lui, ils connaissent sa vie, ils connaissent ses voitures qu'il a. Et quand il en parle, non, il n'y a pas l'homme qui est le quartier, puis il en parle. Tu as l'impression que il connaît un Drogba. Ceux qui louent Dieu, mais qui ne sont pas adorateurs ou qui ne connaissent pas l'adoration, ils sont comme ces gars-là. Il parle de tout, mais il ne le connaît pas. Et puis, Didier ne le connaît pas. Et, non, le gars est fort, il joue. Oui, ça c'est là. Tu es en train de louer. Donc, si tu n'es pas adorateur, ta louange est comme ce monsieur qui parle de Didier, mais qui ne connaît pas Didier Drogba. Qui sait tout de lui, mais qui ne le connaît pas. Et ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Parce que, il ne te connaît pas. Tu sais tout de lui, il ne te connaît pas. Amen. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, ce peuple m'honore des lèvres, donc me loue, mais son cœur est loin de moi. Ils ne sont pas adorateurs. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu peux louer et puis ne pas être adorateur. C'est une bonne différence entre l'adoration et louange. L'adoration, c'est d'abord la relation. L'adoration se trouve dans la relation. Amen. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tout est louange là. C'est comme un gars qui parle de Dieu trop bas sans le connaître. Ce que tu as dit, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut la foi qu'on veut accorder à ça. Parce que tu ne le connais pas. Donc le gars dit, non, moi je ne te crois pas. Tu ne le connais pas. C'est tout ce que tu dis là. Amen. Mais quand il va commencer à le connaître, il ne va pas juste savoir que le gars a des voitures, il a des jets, tout ce qu'il a. Il va savoir que, ah, vraiment, c'est un gars qui est gentil. C'est un gars qui est bon, il sait parler aux gens. C'est un gars qui sait écouter. Vous comprenez? Ce niveau de parole, ça change. Parce que c'est porté maintenant sur qui le gars est en vérité dans sa relation. Un autre exemple que j'ai envie de donner, c'est, tu vas dans un restaurant, on dit, le gars te donne un tchep, non? On t'essaie un tchep. Un tchep, non? Quand tu manges là, waouh! J'ai un aîné là, lui, il appelle ça. Il dit non, mais c'est une tuerie. Petit frère, viens, je te montrer un restaurant. Non, mais c'est une tuerie. Donc, un tchep. Donc, quand tu manges ça, tu dis waouh! Mais le cuisinier, le chef cuisinier, il est bon! Mais tu ne le connais pas. Tu ne vois même pas son visage, lui, il est derrière là-bas. Mais tu loues parce que tu as vu ses œuvres. Amen. À force de fréquenter, un jour, tu diras par exemple, attends, je vais voir le chef cuisinier qui fait ses plats. Et je prie que ta louange te porte vers l'adoration. Vous pouvez savoir un peu la différence. Parce que quand tu manges, il prépare bien, hein, tu es dans la dimension de la louange. Mais un jour, tu vas dire, mais attends, je vais le voir. Tu dis, ah, vraiment, le frère, ça va. Mais tu prépares bien.
comment tu t'appelles? Le gars dit son nom. Ah, moi aussi, il m'appelle tant. Vous êtes tenté de créer la relation. Prochainement, tu viendras, pas à cause du tchèp, mais tu viendras parce qu'il y a un ami que tu as qui cuisine là. Et puis même un jour, tu auras une cérémonie chez toi. Tu vas dire, ah, j'ai une cérémonie chez moi et je t'invite. Et puis quand le gars vient, il dit, bon, d'accord, donc je viens avec les amuse-gueules, etc., etc. Vous êtes en relation. Si vous comprenez le niveau de l'adoration. Et Dieu cherche une relation. Et la relation, ce n'est pas juste. C'est comme un mariage. J'ai dit ça, c'est comme un mariage. Parce qu'à partir du fait que je suis marié à mon épouse, il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des endroits où je ne vais plus. Il y a des situations où j'évite de me retrouver dans cette situation. Vous comprenez? Je me rappelle un jour, on fait une séance de travail, puis quelqu'un me dit, bon, nous après, on va aller déjeuner, je vous invite. Il dit, je ne peux pas aller avec toi. Il dit, non, mais c'est pour parler de travail. Il dit, je ne peux pas aller avec toi. Il faut aller faire chose. Pardon. Je ne le dis pas parce que c'est mal, mais je le dis parce que moi, dans ma relation, je trouve que c'est mal. Vous comprenez? Et c'est le lien, le mariage là, qui fait que même quand je vais en mission à l'extérieur, j'ai une façon de me comporter. C'est ça qu'on appelle une vie d'adorateur. Quand on dit vie d'adorateur, c'est-à-dire, à cause du fait qu'il y a ce lien avec Dieu, il y a ça que je ne fais plus. Il y a ça que je ne fais plus. Il y a ça que je regarde. Il y a ça que je travaille. Et toute ma vie est impactée par le fait que je suis marié à quelqu'un. Si je dois faire une collègue est bien habillée, j'aurai une façon de lui dire qu'elle est bien habillée, si je veux lui dire ça. Mais je dirai d'une façon qui tient compte que je suis marié, que j'ai une femme à la maison. C'est ça la relation que Dieu cherche. C'est pas juste des gens qui viennent, qui parlent, qui disent des choses. C'est pas ça. L'adoration se trouve dans la relation. Et cette relation est meublée par certaines choses. Je pense qu'on ne va pas aller trop loin. Demain, on va revenir là-dessus pour que tu puisses comprendre l'adoration. Il y a des choses qui meublent l'adoration. Rick Warren qui a écrit Une vie motivée par l'essentiel, si vous avez lu, il a un chapitre où il dit ce qui fait sourire Dieu. Ce qui fait sourire Dieu. Et pour lui, l'adoration, c'est tout ce que nous faisons monter qui donne du plaisir au cœur de Dieu. En réalité. Donc, quand tu marches dans la rue, il y a une sœur qui vient, en forme, guitare, forme taille de guitare ou taille d'abeille, de guêpe, taille de guêpe. Et puis, tu l'as dépassée là, dans ta tête. Il faut scanner pour que l'image soit complète. Il faut scanner. Ah, il y a quelqu'un qui a dit recto verso. Oh, je dis parce qu'on est tous hommes. C'est les combats qu'on mène chaque jour. Je ne vais pas vous cacher ça. C'est les combats qu'on mène chaque jour. Donc quand tu la dépasses, il y a un combat en toi. Et puis quand tu dis, le ciel est content, tu viens de faire un acte d'adoration. Le ciel. Dieu dit à Satan, tu as vu nous? Tu as vu ça, c'est mon fils. Oui, Dieu est là-bas et puis il regarde. Quand tu regardes, lis le livre de Job, quand le diable, il dit, quand tu as vu Job, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils, le ciel est content. En tout, il y a les actes d'adoration. En réalité, tout ce que nous faisons est acte d'adoration. Mais, selon la nature de ce que tu fais là, soit c'est adoration à Dieu, soit c'est adoration à autre chose. Tout est adoration. Amen. Tout est adoration. Quand on dit un culte de louange et d'adoration, donc les gens pensent que c'est quand le groupe musical prend son moment. Non. La façon dont tu t'assois même dans la chaise, la révérence que tu donnes à Dieu au moment où tu t'assois, ah, je suis dans la présence de Dieu, c'est un acte d'adoration. Quand on arrive aux offrandes, la façon dont tu donnes à Dieu, c'est un acte d'adoration. Amen. Et je dis toujours souvent,
Les enfants de Dieu, on fait l'offrande. On fait les offrandes. On finit de faire les offrandes. Et puis pendant la prédication, nous, on a invité un homme de Dieu à l'extérieur. De l'extérieur. Il dit, tu vas prendre une enveloppe et de façon spéciale, tu vas faire une sémence spéciale qui va parler dans ta vie, qui va parler en ta faveur pour tes enfants. Une offrande spéciale. Quand tu vas la déposer, Dieu va bénir, va multiplier. Et puis, il voit maintenant d'autres viennent se lever encore. Ou bien, c'est maintenant d'autres vont se lever et il y a d'autres qui vont se lever pour la deuxième fois. Pour venir faire l'offrande. Ils vont mettre dedans. Et ce qu'ils vont mettre est supérieur en général à ce qu'ils avaient mis. Premièrement, tu te connais, tu sais que tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es en train d'adorer Dieu? Tu es au centre de l'offrande que tu viens de faire. Tu sais que tu... On t'a expliqué ce que tu vas gagner. Ça veut dire que tu es venu investir, tu n'es pas venu faire une offrande. Ou bien, où est l'adoration dedans? Où est l'adoration dedans? Je le faisais aussi. Hein. Quand le Saint-Esprit m'a tiré les oreilles, m'a permis de comprendre certaines choses. Si elle vient faire une offrande, ma première, la, si vous avez dit, si elle ne sait pas qu'il y a deux offrandes, la première offrande que vous avez me dit là, c'est qu'elle est donnée là. Je me suis donné en même temps. Si après il y a autre chose que Dieu me met à cœur de participer, je trouvais le moyen de venir participer. Mais je ne fais pas ce calcul-là. Donc dans le culte, même les offrandes sont une adoration. La façon dont tu t'assois pour écouter la parole de Dieu, prendre note, l'intérêt que tu apportes à la parole de Dieu est un acte d'adoration. Ce n'est pas juste les slow méchants. Hein? Non. Les actes d'adoration. Mais non, qu'on fait un séminaire sur une vie d'adorateur, les gens pensent que c'est juste chanter. Si tu m'appelles pour venir enseigner sur l'adoration, peut-être que tu n'as même pas entendu chanter. C'est vrai qu'il y a une partie qui... Parce que la louange est un fondement de l'adoration. C'est-à-dire, je vais donner cette phrase-là. J'adore Dieu avec ma louange. Mais j'adore Dieu par ma louange. Vous comprenez? Ma relation avec Dieu, donc ma relation à mon époux, comme on est marié, il arrive, et je te conseille, ça doit être presque tout le temps. Je lui dis, ah non, chérie, tu es belle. Non, il n'y a pas deux. Je le dis, tu vois, mais c'est dans le cadre de la relation que nous partageons. Donc, quand je loue Dieu, j'apporte mon adoration à Dieu, je lui montre mon adoration par ma louange. Mais il n'y a pas dans cette louange quelque chose qui est séparé en tant que tel, qui est adoration, quelque chose qui est séparé, qui est louange. Et puis, souvent, on n'arrive pas à comprendre. L'adoration, c'est d'abord la relation. C'est les valeurs qui sont derrière. Amen. Demain, on va voir ce qui peut meubler. Et comme j'ai dit, j'ai cité Rick Warren. Je n'ai pas allé loin. Je vais prendre ce que lui a dit. Je vais vous montrer ça. Rapidement. Et puis on va attaquer la louange prophétique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni? Dieu prépare-moi. Est-ce que tu peux te donner des mots? À être un sanctuaire. Je prépare-moi, Dieu.
Je veux être vivant sans toi.
Dieu qui chante ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
je suis, tout ce que j'ai, tu peux, tu peux. Je me livre, je te livre. Mes rires, mes joies, mes peurs, mes peines, mes doutes. Thank you.
Au-dessus de tout, tu es le Père. Tu es le Père. Tu es le Père.
Persiste. Woo! 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 Tu es ma mère! Thank you.
C'est me lever, c'est pour te faire allégeance. C'est me lever, c'est pour accueillir ta présence. C'est me lever, c'est pour accueillir l'action de ton esprit dans ma vie. Et dans la bouche, dans la bouche. Tu m'avais dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Je manifestais dans ma vie. Tu m'avais dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Tu m'avais dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai. Je verrai ta gloire. Je verrai. Je manifesterai. Oui, je crois.
souffle, ce vent doux et léger, c'est ta restauration. Reçois-la maintenant. Parce que tu parcours cette église, depuis la droite jusqu'à la gauche, pour guérir, pour restituer, pour rétablir. Reçois maintenant ce dépôt divin. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Reçois ta guérison. De ce jour de l'échec au nom de Jésus. Quelqu'un est malade, il peut mettre la main là où il est malade, il est malade, il a mal, parce qu'il y a une forte onction de guérison en ce lieu aussi. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Maladie, je te l'entends au nom de Jésus. Tu pars maintenant. Tu quittes la vie et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tu les gardes, tu les visites dans le nom de Jésus. Et quelqu'un acclame le Seigneur.